Sur les événements du 4 octobre 2024, nous avons parlé précédemment de cette femme symbolique du livre de l'Apocalypse, chapitre 12, qui part au désert dans le but de préparer le millénium pour son Messie pendant 3 ans et demi. Le millénium commençant à partir du printemps 2028, cette femme part au désert en moins de 10 mois. Cette femme, part au désert, notamment à la date du 4 octobre 2024, dans le but de préparer le millénaire pour son Messie. Voici à présent l'autre événement qui se passera dans la même journée, donc pendant 24 heures. Cet autre événement, donc, qui est lié donc à cette autre femme symbolique du livre de l'Apocalypse que l'Éternel appelle femme prostituée. Voici maintenant en présage le châtiment que l'Éternel réserve à cette femme prostituée. Donc, cette femme, qui est-elle? Il est question de la chute des États-Unis. Les États-Unis représentent ici cette femme prostituée qui est le lieu de déportation et de captivité des nègres que nous sommes, donc nos ancêtres, certains de nos grands-parents, de nos ancêtres. Les États-Unis sont également la capitale politique, économique et religieuse. Les francs-maçons, sont là-bas. En majorité, bien sûr. Donc, la capitale économique, politique et religieuse de Édom. Édom étant la fin de ce monde. Et Yacoub, donc les descendants des nègres, les gens du livre, le commencement du suivant, selon le livre apocryphe, quatrième livre d'Esdras, chapitre 6, verset 9. Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons entrer dans les Écritures. Donc, il faut comprendre ici qu'il est question de la chute fondamentale de la tête de l'empire qui domine sur nous, aka USA. Et après, pendant 3 ans et demi, ça va être le chaos pendant 3 ans et demi. Donc, parmi les nations qui nous oppriment et toutes les villes d'ailleurs du monde entier, parce que c'est leur système qui régit encore jusqu'à aujourd'hui et même jusque pendant la grande tribulation, toutes les villes du monde. Donc les USA vont tomber en premier, puis l'Europe, la Russie et tout le reste s'en suivront. Dans la terreur, il faut le préciser, dans la terreur, d'où la grande tribulation. Donc le premier passage qu'on doit rappeler ici concernant justement la chute des États-Unis, c'est le quatrième livre d'Esdras, chapitre 11, à partir du verset 1er. Premier verset. La seconde nuit, je vis un songe. Voici qu'un aigle, un aigle montait de la mer. Il avait 12 ailes empennées et 3 têtes. Donc là, comprenez le symbolisme que l'Éternel utilise. Quelque chose qui sort de la mer, c'est quelque chose qu'on ne peut cerner. Donc, c'est un système que jusqu'à aujourd'hui, les gens n'ont pas encore cerné pour la multitude. Seuls ceux que l'Éternel met à part pour justement leur révéler ces choses-là peuvent le comprendre. On va directement aller sur le verset 4. Donc, ces têtes, on parle des 3 têtes, hein, ces têtes, elles étaient au repos. La tête du milieu était plus grande que les autres têtes, mais elle aussi était au repos. On va sauter également pour aller au verset 29. Ça, c'est plus intéressant. Au moment où elles y songeaient, donc les têtes, voici que l'une des têtes au repos, celle du milieu, se réveilla. Elle était plus grande que les 2 autres têtes. On revient sur le verset 6. Je vis comment tout ce qui était sous le ciel lui était assujetti. Personne ne lui portait la contradiction.
pas une seule des créatures qui est sur terre. On va revenir donc vers la fin, verset 32. Cette tête contrôla la terre entière, exerça une domination très épouvante sur ses habitants et soumit le monde à sa puissance plus que ne l'avaient fait toutes les ailes qui l'avaient précédée. Ensuite, verset 33. Après cela, je vis et voici la tête du milieu disparut soudain et cela comme les ailes. On va aller dans le chapitre 12 à partir du verset 26. Donc c'est dans la partie interprétation de tout ce qu'on vient de lire. Donc le verset 26. Ça c'est verset. Que tu aies vu la plus grande tête disparaître, c'est que l'un de ses rois mourra dans son lit. Mais dans les tourments. Verset 27. Quant aux deux autres qui auront survécu, l'épée les dévorera, car l'épée de l'un dévorera l'autre. Mais cependant, celui-là aussi tombera par l'épée au dernier temps. Là, on va revenir dans la Bible. Donc pour lire le passage de Ésaïe chapitre 63 verset 4. C'est que j'avais à cœur de prendre aujourd'hui ma revanche. Le moment était venu de libérer mon peuple. Donc constatez que pendant le même jour, l'Éternel est en train de châtier cette nation prostituée. L'Éternel va délivrer pendant le même jour son peuple. Ensuite, on va revenir dans le livre d'Esdras, chapitre 15. Chapitre 15, verset 13. Que se lamentent les cultivateurs qui travaillent la terre, car les semences viendront à manquer et leurs bois seront dévastés par le charbon, la grêle. Et par un astre terrible. Donc ce qui arrive, c'est pas l'œuvre d'un homme, c'est pas l'œuvre d'un dirigeant de la terre, mais c'est l'œuvre de l'Éternel. Un astre terrible descend pour châtier ce peuple-là. Verset 40. De grandes et puissantes nuées pleines de colère se lèveront avec l'astre pour écraser toute la terre et ses habitants. Elles déverseront sur tous les sommets et toutes les hauteurs l'astre terrible. Verset 41. Du feu, de la grêle, des lances volantes, des trombes d'eau, au point que ces eaux énormes satureront toutes les plaines et toutes les rivières. Verset 42. Elles démoliront villes et murs, montagnes et collines, les arbres des forêts, les herbes des champs avec leurs graines. Verset 43. Elles s'avanceront inexorablement jusqu'à Babylone et l'extermineront. Verset 44. Elles convergeront vers cette ville et l'entoureront sur elle. Elles répandront l'astre et toute sa colère, poussière et fumée monteront jusqu'au ciel. Et tous alentour se lamenteront sur elle. Verset 45. Ceux qui auront survécu seront esclaves de ceux qui l'auront exterminé. Donc, il y a l'Éternel qui extermine cette nation prostituée. Et donc les rescapés de la colère de l'Éternel deviendront les esclaves de son peuple, tout simplement. Maintenant, on va revenir dans le livre. Donc dans la Bible, Jérémie chapitre 51, verset 42.
La mer s'est soulevée sur Babylone et de ses flots tumultueux l'a submergée. On revient dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12 maintenant. Alors, un signe grandiose apparut dans le ciel. C'était une femme. Elle avait pour vêtement le soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte sur le point d'accoucher et ses douleurs lui arrachaient des cris. Là-dessus, un autre signe parut dans le ciel et voici, c'était un grand dragon, couleur de feu. Il avait 7 têtes et 10 cornes. Chacune de ses têtes portait un diadème. Ici, comprenez, la tête, c'est les États-Unis. Les 10 cornes, c'est l'Union européenne, tout simplement. Sa queue balaya le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait accoucher pour dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. Verset 13. Quand le dragon se vit précipité sur la terre, il se lança à la poursuite de la femme qui avait mis au monde le garçon. Mais les deux ailes d'un grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envole vers le désert jusqu'au lieu qui lui est réservé. Là, elle doit être nourrie pendant un temps, deux temps et la moitié d'un temps, loin du serpent. Donc, il est question de 3 ans et demi. Le serpent vomit de sa gueule derrière la femme de l'eau abondante comme un fleuve pour qu'elle soit emportée dans ses flots. C'est-à-dire qu'ils vont nous attaquer en retour, mais ils ne réussiront pas. Mais la terre vint au secours de la femme. Elle ouvrit sa bouche et absorba le fleuve que le dragon avait vomi de sa gueule. Alors, furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de ses enfants, c'est-à-dire à ceux qui obéissent au commandement de l'Éternel et qui s'attachent au témoignage rendu par Yahshai, le Messie. Verset 18. Il se posta sur le rivage sablonneux de la mer. C'est-à-dire que le dragon, après ce châtiment, le dragon n'aura plus de territoire. Donc le dragon il va habiter dans la mer, tout simplement. On revient maintenant, on va aller sur le livre, dans le livre de l'Apocalypse, encore une fois, chapitre 18, verset 3 et les versets 7 à 24. Ça va paraître long, mais il faut tout simplement écouter. Verset 3. Car tous les peuples ont bu le vin de sa prostitution furieuse. Les rois de la terre, avec elle, se sont livrés à la débauche. Et les commerçants de la terre ont fait fortune grâce à son luxe démesuré. Chapitre 18, toujours à partir du verset 7 désormais. Autant elle a vécu dans la splendeur et le luxe, autant donnez-lui de tourments et de malheurs. Je trône ici en reine, se disait-elle. Je ne suis pas veuve, non jamais je ne connaîtrai le deuil. Voilà pourquoi en un seul jour, elle verra tous les fléaux fondre sur elle. Épidémie, deuil et famine, elle-même sera consumée par le feu, car l'Éternel Tout-Puissant a prononcé la sentence sur elle. Alors les rois de la terre qui ont partagé sa vie de débauche et de luxe pleureront et se lamenteront sur elle en voyant monter la fumée de la ville embrasée. Verset 10. Ils se tiendront à bonne distance de peur d'être atteints par ses tourments. Malheur, malheur, gémiront-ils la grande ville, ô Babylone, ville puissante, une heure a suffi pour l'exécution de ton jugement. Donc pendant ce jour, c'est pas tout le jour entier que l'Éternel utilisera pour les frapper. Une seule heure en langage humain, une seule heure suffira pour finir avec la grande Babylone. Verset 11. Les marchands de la terre, eux aussi, pleurent et mènent au deuil sur elle, car il n'y a plus personne pour acheter leurs marchandises. Leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses et de perles, leurs étoffes de fin lin, de pourpre, de soie et d'écarlate, leurs bois aromatiques et leurs bibelots d'ivoire, tous les objets en bois précieux, en bronze, en fer et en marbre,
la cannelle et autres épices, les parfums, la myrrhe et l'encens, le vin et l'huile, la farine et le froment, les ovins, les bovins, les chevaux et les chariots, les corps et les âmes d'hommes, les objets de tes passions ont fui bien loin de toi. Raffinement et splendeur sont perdus pour toi. Plus jamais on ne les retrouvera. Les marchands qui s'étaient enrichis par leur commerce avec elle se tiennent à bonne distance de peur d'être atteints par ses tourments. Ils pleureront et mèneront deuil. Ils diront « quel malheur !» La grande ville qui se drapait de félin, de pourpre et d'écarlate, parée de bijoux d'or, de pierres précieuses et de perles, en une heure, tant de richesses ont été réduites à néant. Tous les capitaines des bateaux et leur personnel, les marins et tout, ceux qui vivent du trafic sur mer se tenaient aussi à bonne distance et se répondaient en cris à la vue de la fumée qui montait de la ville embrasée, disant quelle ville pouvait rivaliser avec la grande cité. Ils se jetaient de la poussière sur la tête, ils criaient, pleuraient et se lamentaient. Malheur, malheur, la grande ville dont la prospérité avait enrichi tous les armateurs des mers en une heure, trois fois déjà, en une heure, elle a été réduite à néant. Réjouis-toi de sa ruine, ciel. Et vous, membres du peuple saint, apôtres et prophètes, réjouissez-vous, car en la jugeant, l'Éternel vous a fait justice. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grosse meule et la jeta dans la mer en disant ainsi, avec la même violence sera précipitée Babylone, la grande ville, et on ne la retrouvera plus. Verset 22. Ah Babylone, on n'entendra plus chez toi la musique des harpistes et des chanteurs, ni flûte ni trompette ne résonnera plus dans tes murs. On n'y verra plus d'artisans d'aucun métier. Le bruit de la meule citera pour toujours. La lumière de la lampe n'y brillera plus. Le jeune époux et sa femme, donc le Messie et son peuple, ne s'y feront plus entendre. Tout cela arrivera parce que tes marchands étaient les plus puissants de la terre, parce que avec tes sortilèges tu as trompé tous les peuples, et que chez toi on a vu couler le sang des prophètes et des membres du peuple saint, ainsi que tous ceux qu'on a égorgés sur la terre. On va aller dans Daniel chapitre 9 verset 26, où on apprend justement que le roi de Babylone meurt dans cette inondation parce que une pierre va descendre également. C'est pas seulement le feu ni les trompes et autres, mais une pierre va descendre également pour précipiter un déluge partiel sur cette ville. Daniel chapitre 9 verset 26. Quant à la ville et au sanctuaire, ils seront détruits par le peuple d'un chef qui viendra, mais sa fin, donc la fin de ce chef, arrivera provoquée comme par une inondation, et jusqu'à la fin sévirent la guerre, les dévastations qui ont été décrétées. Donc là, jusque là, c'est pas encore la guerre, mais la guerre va commencer à partir de là. En fait, la guerre va commencer à partir de leur chute, donc puisque ils sèment le désordre partout pour imposer leur dictat. Ce qui va se passer, ils vont être encore obligés sans terre de dominer sur le reste dans l'ombre, donc par la guerre bien sûr. Donc on a vu la chute des États-Unis, c'est en une heure pendant le jour où l'Éternel il est en train de rapatrier son peuple dans la partie qu'il a préparée longtemps à l'avance, avant même la fondation du monde, parce que je vous l'ai déjà dit, Adam y avait vécu, et à cause du péché, il avait, dès lors qu'il a été déchu, cette terre-là lui était inaccessible. Donc de la même façon, nos ancêtres ont vécu pareil. Et nous,
par la miséricorde de l'Éternel, par sa miséricorde, nous, on va pouvoir rentrer sur cette terre-là et préparer le millénium pour notre Messie. Donc, c'est pas quelque chose de simple. Il faut le mériter, il faut se préparer pour ça. Maintenant, la grande Babylone, donc les États-Unis tombent en premier pendant cette heure-là, de cette journée et la suite. Voici en présage ce que l'Éternel promet également. La chute de l'Europe, de la Russie et toutes les villes du monde en 3 ans et demi, donc c'est-à-dire la grande tribulation. Ésaïe chapitre 34, versets 3 à 10. Leurs victimes seront jetées, l'odeur de leurs cadavres se répandra, leur sang ruisselera sur les montagnes, toute l'armée du ciel en pourriture tombera, le ciel s'enroulera comme on enroule un livre, tous les astres se décomposeront comme se décomposent les feuilles de la vigne ou celles du figuier. Verset 5. Dans le ciel, mon épée est ivre et la voici qui s'abat sur Édom. Oui, sur ce peuple que j'ai voué au jugement. L'épée de l'Éternel est saturée de sang et couverte de graisse, du sang, des boucs et des agneaux, des parties grasses, des rayons de bélier, car pour l'Éternel est prévu un sacrifice dans Bosra et un grand carnage en Édom. En même temps, les buffles tomberont avec les bœufs, et les taureaux, le pays tout entier est abreuvé de sang. La poussière du sol est imprégnée de graisse, car il y a un jour où l'Éternel rétribuera et une année où il fera rendre des comptes pour défendre la cause de Sion. Verset 9. Les rivières d'Édom seront changées en poids et sa poussière en soufre, et tout son territoire deviendra de la poix brûlante. Ni le jour, elle ne s'éteindra, sa fumée montera à perpétuité. Et pour toujours, Édom restera ravagé. Personne n'y passera plus. Donc en 3 ans et demi, l'Éternel promet que ça va être le carnage dans ces territoires-là. Donc on a déjà vu par rapport aux États-Unis, mais l'Europe, la Russie, tout ça, ils vont y passer. On va aller dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 16, verset 19. La grande ville se disloqua en trois, donc encore les États-Unis, en trois parties, et les villes de tous les pays s'écroulèrent. Alors l'Éternel se souvint de la grande Babylone pour lui donner à boire à la coupe pleine du vin de son ardente colère. On revient dans le livre apocryphe, 4e livre d'Esdras, chapitre 12, maintenant verset 16. Chapitre 12, verset 26 plutôt. Que tu aies vu la grande... Voilà, on a déjà lu ici, mais il faut encore le rappeler. Que tu aies vu la grande tête disparaître, c'est que l'un de ses rois mourra dans son lit, mais dans les tourments. Quant aux deux autres, donc l'Union européenne et la Russie, quant aux deux autres qui auront survécu, l'épée les dévorera. Verset 28, car l'épée de l'un dévorera l'autre, mais cependant celui-là aussi tombera par l'épée au dernier jour. Donc l'Éternel, il va les confondre, il va envoyer un esprit de confusion entre eux, sachant qu'ils sont du même peuple. Que ce soit la Russie, les États-Unis, l'Europe, ils sont du même peuple. Mais l'Éternel va semer un esprit de confusion en eux, ils vont s'entre-déchirer. Et qu'à la fin, l'Éternel va réserver le vainqueur pour la chute également. Donc, verset 28, car l'épée de l'un dévorera l'autre, mais cependant celui-là aussi tombera par l'épée au dernier temps. Verset 29, et que tu aies vu deux ailettes aller se joindre sur la tête de droite, en voici l'interprétation. Ce sont ceux que le Très-Haut a gardés pour la fin, c'est-à-dire pour un règne bref et plein de troubles pendant 3 ans et demi, bien sûr. On revient maintenant dans le 4e livre d'Esdras, chapitre 15, verset 14. On reprend « Malheur au monde et à ses habitants, parce que l'épée s'est rapprochée, ainsi que leur écrasement.
On se lèvera nation contre nation. Donc la grande tribulation, c'est la guerre. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des bruits de guerre, c'est des rumeurs. Donc, 4 livres d'Esdras, chapitre 15, verset 15. Parce que l'épée s'est rapprochée ainsi que leur écrasement. On se lèvera nation contre nation pour le combat. Et la lance sera en leurs mains. Ce sera en effet l'instabilité pour les hommes, rivalisant les uns avec les autres. Ils n'auront cure ni de leur roi, ni du premier de leurs notables. L'homme désirera se rendre en ville et il ne le pourra pas à cause de leur orgueil. En effet, les villes seront troublées, les maisons seront détruites, les hommes affolés. L'homme ne prendra pas pitié de son prochain, allant jusqu'à faire le vide dans sa maison par l'épée pour piller ses biens, parce qu'il aura faim et sera dans une grande détresse. Voilà, bien-aimés, le passage concernant la chute, donc en prévision pour les États-Unis et donc le départ pour la grande tribulation, l'écroulement de tout le système et donc la chute, donc la dévastation des nations qui sont issues de Édom. Édom est la fin de ce siècle et nous commençons. Et pour commencer, il faut déjà avoir donc bénéficié de cette miséricorde de l'Éternel pour faire partie du peuple qui va aller justement au désert à partir du 4 octobre 2024. Et à partir de là, l'Éternel pourra nous montrer donc sa gloire pour le millénium, tout simplement. Donc pour l'instant, les chrétiens ils disposent de très peu de livres. Et malgré cela, ils ne sont pas encore prêts pour apprendre encore plus. Je rappelle ici que la vie éternelle consiste à connaître l'Éternel et son Messie. Jean chapitre 17, verset 3. Donc aussi longtemps que les gens ne se retrouveraient pas dans la dynamique de connaître l'Éternel avec suffisamment de livres. D'ailleurs, j'avais déjà, dans les vidéos précédentes, j'ai parlé également que l'Éternel va nous donner les livres originels, les livres à partir desquels ils nous ont fait des collections comme ça, on aura ces livres-là et à partir de là, tout le monde sera KO. Cette vérité qui arrive là, ça mettra tout le monde KO. Mais pour l'instant, on se sert des livres apocryphes et même la Bible, la collection des 66, pour révéler ce qui va être ce que l'Éternel promet justement à la terre entière, tout simplement. Shalom, paix sur vous. Bien-aimés, nous voici bientôt au terme de nos 400 ans de servitude. Et nous sommes sur le point de quitter nos différents lieux de dispersion pour rentrer à la maison sur la terre sainte chargée de grandes richesses. À cet effet et dans le but de réunir le peuple, je vous propose quelques lives pour la semaine. Jour 1, nous allons évoquer les fautes passées et leurs implications profondes que nous devrons comprendre. Jour 2, nous abordons l'importance de la repentance en vue de notre restauration. Jour 3, un nouveau chapitre plein d'espoir est sur le point de commencer. Nous parlerons du plan du salut. Jour 4, nous explorons les défis auxquels les élus sont confrontés. Malgré les obstacles, leur ascension est inévitable. Jour 5, nous réfléchissons à l'impact de nos bourreaux, leur influence, bien qu'à résoudre, a façonné notre histoire. Jour 6, nous nous prononcerons sur le retour nécessaire et sincère à la loi et les prophètes.